J'ai installé des barils pour collecter la maison. Puis l'année passée, j'avais d'autres en avant. Oui, je pensais que vous l'aviez. C'est impressionnant. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth. 107 days, we're calling it backwards. Our dreams holding us closer. Ce site est situé à l'ouest du lac Saint-Jean, donc là vous voyez les petits bleus et sauvages. Donc c'est calme, hyper calme et tout, et en fait il y a une chute à un moment donné, vous allez voir une chute, c'est la 11e chute, ils appellent ça, et il y a une centrale hydroélectrique. Malheureusement je ne l'ai pas prise en photo ou en caméra, mais tout est écrit, comment ça se passe, comment... Ouais. Et en fait, cette centrale, elle procure de l'électricité pour 3500 foyers dans un village avoisinant
avoisinant ce petit secteur, encore des petits bleuets sauvages. J'y ai goûté, c'est excellent, vraiment très très bon. Et là, ben, je vous laisse vous promener tout au long de ce petit secteur. Vous allez y découvrir différentes végétations et puis un calme vraiment olympique. Je ne vous ai pas présenté cette rivière qui s'appelle donc la rivière de Mitassini. Donc en fait, dans la langue des Kris, c'est composé de Mishta et de Assini, soit grosse pierre. Après avoir marché 2,5 km dans ce secteur, on a fait une petite pause gourmande où j'ai déjeuné un sandwich aux œufs et mon mari a mangé un sous-marin, puisque là-bas les sandwichs, on les appelle les sous-marins. Nous sommes arrivés à Alma, donc nous avons soupé, puisque là-bas le soir ils disent souper, le dîner c'est le midi.
Et du coup, on a dormi sur place, puis ensuite, le lendemain, nous sommes repartis à Québec en déménageant ma fille. Ces chutes de Montmorency sont au nord de Québec et il faut savoir que l'hiver, ces chutes sont gelées tellement il fait très froid.
que j'ai pu voir. Donc il y en avait trois sympas, donc je vous les fais découvrir. Je ne connais pas cette marque. Donc ce premier là, c'est pas trop mon truc. Le troisième non plus, mais le deuxième, c'est vraiment mon esprit. Vous allez retrouver ce que je crée. Celui-là, j'adore. Là, c'est plutôt tout ce qui est objet, dice cut, petites choses en résine, etc. Donc, je vous en fais voir quelques-uns aussi. Donc là, on arrive dans le rayon où il y a tous les blocs 30, 30 et 15, 15. Des blocs automne, je les ai trouvés très très beaux. Je regrette d'ailleurs de ne pas en avoir pris un. Ouais, il y en a des beaux, hein. C'est celui-ci. Ah, ceux-là ils sont moins chers, tu vois, 11$. Tu vois, ça c'est plus pour moi. Oh, il est sympa pour l'automne, rien. Oui, oui. Pour Thanksgiving. Donc là, vous avez tous les papiers unis en plusieurs tailles. Et là, on arrive au rayon papier, toujours. Vous avez vu tous ces papiers différents. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je vais m'en reprendre des petites bouteilles. Elle est pour les stickers, c'est tout, c'est chiant parce que c'est en anglais en fait. Ouais. Les différentes plaques. C'est vraiment la caverne bah, oui. Là-bas, dans ce magasin. C'est Michael, il y a c'est énormément de choix. Là, c'est l'univers Cricut. Alors, l'univers Cricut, pour celles qui en ont, c'est juste topissime. Il y a toutes les couleurs, tous les formats, toutes les machines, je ne sais pas combien d'exemplaires. Et voilà, il y en a encore. On n'a pas ça chez Cultura. Là, c'est tout le rayon stickers. Donc, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, mais je trouve que le bureau, c'est mieux. Bah, moi aussi. Franchement. Je trouve ça beaucoup mieux. Ça a beaucoup plus de place aussi pour ranger tes affaires. Je balaye en soi, c'est juste pour poser une toile. Hein. C'est ça. Donc là, vous avez tout le rayon peinture.
avec différentes marques, différentes sortes. Voilà, tous les pinceaux. C'est où l'autre fois qu'on a là, c'est les crayons. À Dollarama. Ah oui, je veux m'en prendre. En plus, t'as vu, il était beau. Ouais. Tout ce qui est pochoir avec des lettres, des chiffres, etc. Là, c'est toutes les bombes qui sont fermées à clé. Et là, repeinture. Alors, vous avez de la peinture pour tout, hein, comme ici. Hein. À verre, porcelaine, tissu, etc. Là, ce sont des autocollants. Donc, je voulais m'en prendre, mais quand vous regardez le prix, je trouve ça très, très cher. Trop cher. Là, vous êtes dans une rue très sympathique du Vieux-Québec, hein, où vous avez tous les magasins souvenirs, voilà, vous allez voir la cabane à sucre, vous allez voir pas mal de boutiques, vraiment, j'adore moi cet esprit. Et il faut savoir que l'hiver, cette rue est splendide, elle est remplie de neige, c'est vraiment Québec l'hiver, j'ai hâte d'y être. Bah ici, ils sont à fond. Hein. Voilà la boutique de Noël. Donc du coup, elle est ouverte toute l'année. Hein. Cette boutique, elle est extraordinaire. Je ne vous ai pas tout filmé, mais franchement, il y a des décos de rêve où vraiment, on aimerait acheter énormément de choses. J'en avais acheté l'année dernière déjà, des bricoles. Et c'est vraiment un esprit magique, on s'y croit quoi. Thank you.
Jeudi 18, donc nous sommes allés à l'aquarium de Québec parce qu'il faisait pas beau et du coup Arnaud voulait absolument le voir puisqu'il y a des poissons que l'on ne connaît pas. Et du coup, on a été visiter ce magnifique aquarium. Moi, c'est pas tout ce qui est zoo et aquarium, je suis un peu contre, mais bon, j'ai voulu lui faire plaisir. Et on a passé un bon moment, on a découvert plein de choses que l'on ne connaissait pas. Alors cet hippocampe, moi je ne le connaissais pas du tout, je le trouve tellement beau. Alors des petits écureuils, il y en a à tous les coins de rue, c'est trop drôle en fait. Vous êtes en pleine ville, il y a un petit bout de verre, hop, il y a un écureuil qui monte un arbre. C'est vraiment trop chou. Moi je m'en lasse pas en fait, c'est mes petits bonheurs de regarder ces petits animaux. Après l'aquarium, nous sommes allés aux chutes de la Chaudière qui sont juste en fait, vous avez Québec, vous avez un pont et vous avez Lévis. Et donc, elles sont à Lévis. Donc, il y a une rivière qui s'appelle Chaudière. Et ce sont les dernières chutes parce que Chaudière se verse dans le fleuve Saint-Laurent. Et ce sont les dernières chutes de cette rivière et les plus importantes. Donc là, vous avez le pont des amoureux aussi là-bas. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs cadenas, donc je n'ai pas pu m'en empêcher de les prendre.
Donc là, c'est les au revoir avec ma fille à Québec, puisque nous montons à Montréal 2 jours pour découvrir cette jolie ville. De Saguenay, le festival d'été de Québec et même le concours des... des îles de la Madeleine. Ouais, on est vraiment, vraiment heureux de présenter, soutenir, donner du souffle et faire briller les rendez-vous Loto-Québec. Heureux de vous retrouver. Ajoute tes couleurs à ta ville. Fais des murales autoportantes ce samedi et ce dimanche après-midi au parc Claude Brélan sur la 18e avenue. Matériel d'art fourni et cadeaux remis aux participants. Drummondville.ca pour les détails. Donc là, on arrive à Montréal. Donc ça me fait bizarre de voir USA sur les panneaux. Et donc là, c'est le motel où nous avons passé la dernière nuit au Canada. Avec un magnifique coucher de soleil sur le fleuve Saint-Laurent. Trop beau. Donc, qui dit Canada dit Poutine, hein, naturellement. Donc, bien sûr, il a fallu en manger une hein, le dernier soir. Très, très bonne. Donc, moi, j'ai mangé une poutine de base, hein, puisque c'est trop bon. Et là, vous allez voir une petite pépite. Trop, trop chou. Donc là, vous pouvez découvrir au Mont-Royal cette magnifique vue que l'on a de Montréal la nuit. C'est vraiment superbe.
Donc là, on découvre un peu les rues de Montréal, surtout le quartier, le square Saint-Louis, que je voulais absolument voir. Donc on a beaucoup de... Par là, on a beaucoup de street art. Et je voulais absolument voir toutes ces œuvres sur ces murs. Ça, je trouve ça tellement beau, vraiment. Voilà, donc ce petit écureuil, je voulais absolument vous le montrer. Et nous arrivons au square Saint-Louis. Voilà, il y a des maisons colorées, donc c'est vraiment trop mignon comme quartier. Et je voulais absolument vous montrer ça. Donc encore du street art, comme vous pouvez voir. Et des maisons colorées avec tout un escalier sur chaque perron, en fait, sur chaque porte. Donc vous avez des portes simples, puisque vous n'avez qu'une habitation, et vous avez des portes doubles, où vous avez donc deux numéros de rue, deux numéros, puisqu'il y a deux logements, en fait. Un en contrebas et un qui monte. Voilà, donc une petite plaque du Massachusetts, une de New York. Et là, donc, on arrive au vieux port de Montréal et au vieux Montréal. Donc, je vous laisse admirer tout ça.